Bonjour, je me présente, Christine Relaxologue, spécialisée dans la gestion du stress et des émotions. Je vous propose aujourd'hui une vingtaine de minutes de relaxation hypnotique que je vous conseille de suivre avec des écouteurs et une lumière tamisée pour un plus grand confort. Cela vous permettra aussi de bénéficier un maximum de ce soin réparateur. Si vous avez choisi d'écouter cette séance, c'est très certainement que vous ressentez en ce moment même le besoin de vous détendre un petit moment, une envie de calme, une envie de reprendre confiance. C'est vrai, aujourd'hui, nous ne prenons pas suffisamment le temps de nous arrêter pour souffler, être à l'écoute de nos émotions et de nos sensations pour retrouver le bien-être qui nous permettra d'obtenir la sérénité, le calme que nous recherchons. Je vais de ce pas vous accompagner vers une détente de votre corps, mais aussi de votre esprit. Vous n'aurez qu'à vous laisser bercer par ma voix et les suggestions que vous entendrez, afin de laisser de côté toutes vos pensées négatives, tous les problèmes qui vous créent des tensions inutiles. Mais cela n'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite. Plusieurs passages de cette séance peuvent être nécessaires pour certains avant d'obtenir la détente absolue. Vous pouvez à présent vous allonger confortablement sur un fauteuil confortable ou peut-être votre lit, puis fermer les yeux. Prenez conscience de vos points d'appui, votre tête, vos épaules, votre bassin, vos pieds. Prenez conscience de votre respiration et de l'ensemble de votre corps étendu. Faites trois inspirations amples et lente, en gonflant et dégonflant votre ventre. Maintenant, commencez par relâcher votre tête, du sommet de votre tête à la périphérie de la tête. Relâchez votre front, détendez vos yeux et vos paupières, les muscles autour de vos yeux et derrière les yeux. Puis relâchez vos joues, vos narines, laissez vos dents se desserrer, tout comme vos lèvres. Puis laissez la détente s'installer dans votre cou et dans votre gorge. Laissez râler votre nuque et vos épaules. Les muscles de vos épaules ont relâché. Vous continuez à détendre les muscles de vos bras, vos coudes, vos avant-bras et vos poignets. Maintenant, laissez les mains se détendre jusqu'au bout des doigts. Vous prenez à présent conscience de la détente que vous apportez à votre colonne vertébrale. Lentement, vertèbre après vertèbre, en suivant sa courbe harmonieuse. Vous relâchez maintenant votre cage thoracique, puis votre ventre à l'intérieur et à l'extérieur.
laisser s'installer ce sentiment de détente dans toute la partie supérieure de votre corps et dans le bassin, confortablement installé, posé. Vous relâchez les muscles de vos cuisses, puis vos genoux qui sont souples. Vos mollets se détendent, tout comme les articulations de vos chevilles. Et maintenant vos pieds, jusque dans les articulations de vos orteils, détendus. Prenez conscience de toute la détente qui s'est installée dans l'ensemble de votre corps, de la tête aux pieds. L'ensemble de votre corps est maintenant parfaitement détendu. Votre respiration est calme, sans effort. Et chaque fois que vous expirez, vous décontractez davantage. D'abord, tous les bruits extérieurs vous accompagnent et deviennent vos amis, vous permettant de descendre encore plus profondément. Le son de ma voix vous permet de descendre encore plus profondément. Chaque expiration vous permet de descendre encore plus profondément. C'est bien. Et votre corps devient de plus en plus lourd. Et plus votre corps devient lourd, plus votre esprit devient léger. Si léger qu'il vous emmène maintenant dans un autre espace-temps où le temps n'est plus le temps. Et alors que vous commencez à vous détendre encore plus profondément, je vais vous parler de ce problème que vous avez par rapport à votre sommeil. Pendant que je vous parle, ma voix pourrait vous sembler lointaine, mais vous entendez quand même ma voix et tout ce que je dis. Et vous serez totalement focalisé dans votre imagination sur les suggestions que je fais. Et en faisant cela, vous trouverez que bientôt, plus tôt que vous le pensez, vous basculerez dans un sommeil profond, chaleureux et confortable. Vous resterez dans ce sommeil confortable jusqu'à l'heure que vous le souhaitez, l'heure à laquelle vous voulez vous réveiller, vous permettant de vous reposer convenablement et d'avoir de merveilleux rêves. Vous réveillerez, vous serez totalement rafraîchi, revigoré et alerte, et vous continuerez votre journée en étant productif. Vous trouverez que vous avez plus d'énergie, plus que jamais auparavant. Dans le passé, vous avez essayé de dormir possiblement avec difficulté, parce que plus vous essayez, le plus dur, c'était de vous endormir facilement et complètement. Et votre esprit était plein de pensées intrusives. Peut-être une angoisse ou un stress particulier, ou bien le fait de cogiter sur le futur. Et ces pensées étaient comme des lumières éclairant votre esprit, vous empêchant de vous endormir. Maintenant, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de vous endormir rapidement et facilement dans un sommeil profond et réparateur. Imaginez maintenant que vous êtes entré dans une pièce illuminée. La pièce est toujours éclairée avec des pensées indésirables. Et ce n'est pas ce que vous voulez.
Alors vous allez vous débarrasser de cette lumière en peignant la pièce en noir. Sur le côté de la pièce, il y a quelques grands pots de peinture noire et une multitude de pinceaux et des conteneurs contenant du white spirit ou tout ce que vous voulez utiliser pour nettoyer les pinceaux. Dirigez-vous en direction des murs de la pièce, à l'arrière de votre esprit. Et prenez un pinceau. Ressentez le manche du pinceau dans votre main et soulevez le couvercle du pot de peinture. C'est facile de peindre les murs en noir. Alors vous commencez à peindre les côtés. Recouvrez toutes ces pensées et continuez à peindre pour qu'elles soient toutes parties. Et pendant que vous peignez, vous allez peut-être remarquer qu'il y a des endroits que vous avez oubliés. Alors peignez par-dessus. Continuez à peindre. Et lorsque toute la peinture sur votre pinceau est partie, retournez vers le pot de peinture et trempez-y votre pinceau. Et continuez seulement à peindre les murs tout en noir. Et plus vous peignez, et plus la pièce devient sombre. Et plus la pièce devient sombre, et plus endormi vous deviendrez. Vous vous concentrez seulement à peindre la pièce en noir. Même ma voix devient de plus en plus lointaine. Très bientôt, bien plus tôt que vous le pensez, ma voix ne pourra bientôt plus pénétrer le noir de vos murs. Pendant ce moment, vous aurez basculé dans un sommeil paisible et réparateur, en ayant des rêves merveilleux et en allant de plus en plus profond dans un doux repos hypnotique. Je vais être silencieuse pendant quelques instants pour vous permettre de continuer à peindre. Continuez à peindre par-dessus toutes les lumières qui restent ou qui essayent d'être intrusives. Vous n'en avez pas besoin pour l'instant et peignez-les. Et allez de plus en plus profondément. Profond. Vous vous réveillerez à votre heure souhaitée. Vous trouverez que vous êtes plus léger. C'était comme si un grand poids était soulevé de vos épaules. Parce que maintenant, vous saurez toujours comment vous endormir et rester profondément, facilement endormi et sans effort. En peignant la porte tout en noir et en fermant derrière vous toutes les pensées indésirables et intrusives. Une fois la porte toute peinte, vous la franchissez et vous remarquez une fenêtre. Une fenêtre qui vous permet d'accéder à un monde imaginaire. Comme dans un rêve, observez ces abeilles qui butinent de fleur en fleur et le miel qui se construit et qui sommeille peut-être fraîchement cueilli au matin. Bienvenue au monde imaginaire où tout est possible. Possibilité de se connecter à tous les éléments et de ressentir leurs vibrations ainsi que de canaliser ses ressources même les plus enfouies, prêtes à ressurgir dans ce moment de sommeil profond, plus profond que profond. Le changement de vie des plantes et des fleurs comme un serpent prêt à mimer, ou la métamorphose d'un papillon, vous êtes sur le chemin et vous vous reprogrammez. Vous changez et vous évoluez. Tout coule de source. Comme quand vous voulez bien dormir, vous pouvez commencer à détendre votre corps, comme nous l'avons fait aujourd'hui, petit à petit, seulement en pensant à détendre chaque partie de vous. Vos orteils, et le dos, et les mains, et ensuite la gorge, et tous les petits muscles du visage se détendent un par un. Et quand vous avez détendu chaque partie de vous, imaginez seulement que vous êtes en haut, un joli escalier qui vous emmène tout bas dans un endroit spécial et vous ressentez que vous devenez plus détendu
et plus endormi. Vous vous sentez plus lourd et profondément plus calme. Comptez chaque marche que vous descendez et quand vous avez atteint le sous-sol, et laissez le monde de tous les jours loin derrière vous. Laissez votre esprit se détendre alors que vous allez dans un endroit spécial et privé. Ça pourrait être une plage tropicale ou un jardin paisible avec des fleurs multicolores. Ou peut-être que vous allez observer un joli coucher de soleil. Mais avant tout, vous devez passer la porte. Baignez-la en noir et allez voir ce qu'il y a de l'autre côté. Très bien. À partir de maintenant, vous êtes capable de vous endormir facilement et de rester endormi toute la nuit. Vous basculerez dans un doux repos hypnotique chaque fois que vous irez dormir. Vous descendrez tout bas dans votre endroit spécial. Et alors que les tensions s'estompent en dehors de votre corps, vous glisserez dans un sommeil profond et réparateur. Vous êtes maintenant capable d'avoir une bonne qualité de sommeil. Et si à tout moment vous vous réveillez pendant la nuit, alors vous retournerez calmement, sans avoir à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Vous dormez tranquillement et vous êtes conscient du fait que vous faire des soucis, vous tracasser, vous laisser influencer par les contrariétés ne sert à rien, loin d'arranger les choses. En vous laissant dominer par les soucis, par les tracas, par le stress et par les contrariétés, vous ne faites que du mal à vous-même et à ceux que vous aimez. Vous dormez tranquillement. Vous êtes détendu, vous êtes heureux, rien ne risque de vous réveiller, vous ne vous réveillerez que quand il sera temps. Vous pouvez dormir tranquillement, parce que vous savez que tôt ou tard, tout va rentrer dans l'ordre. Vous dormirez tranquillement parce que vous êtes capable d'accepter ce mauvais passage. Vous allez dormir tranquillement et profondément. Parce que vous savez que la vie est faite de haut et de bas. Vous dormez tranquillement et profondément parce que vous savez qu'obligatoirement, tôt ou tard, tout va rentrer dans l'ordre. Le sommeil calme et profond qui vous repose en ce moment vous permettra de vous endormir facilement tous les soirs. Le sommeil calme et profond qui vous repose en ce moment, vous permettra nuit après nuit de ne pas vous réveiller par interruption. Vous dormirez toutes les nuits aussi calmement et profondément que maintenant. Vous vous réveillerez tous les matins en pleine forme. Ayant bien dormi, vous aurez la possibilité jour après jour de vous sentir calme, serein, et revigorez chaque matin à votre réveil et pendant toute la journée jusqu'au soir avant de vous endormir tout naturellement et automatiquement dans un sommeil profond et réparateur. Vous êtes sur le quai et vous montez dans le premier train en direction d'un sommeil profond et réparateur tout naturellement et automatiquement. Et toutes ces suggestions sont fermement implantées dans votre esprit et deviendront de plus en plus fortes minute après minute, jour après jour, nuit après nuit. Et dans un instant, je vais compter de 1 à 5. Et au bout de 5, vous serez complètement éveillé, complètement alerte et revigoré et prêt à permettre à toutes ces suggestions de bien marcher pour vous. 1,
2, 3, revenez doucement, 4, vos paupières commencent à papillonner, et 5, les yeux ouverts, grand ouverts, votre esprit et votre corps sont de retour à la surface. Voilà, vous êtes complètement réveillé, en pleine forme. Étirez-vous un moment avant de reprendre vos activités. Je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à vous repasser cette séance quand vous en ressentirez le besoin. À très bientôt pour une nouvelle séance. Prenez soin de vous.